En Gambie. L'Angambie, c'est une dispute à la Marseillaise. Un problème qui provoque une grosse colère et qui finit parfois en engatz total. Mais à l'origine, la gambe, c'est une jambe en latin. Plutôt une jambe d'animal d'ailleurs, mais c'est moins joli à illustrer. Et la distinction n'existe plus en provençal où là aussi, la gambe, c'est la jambe et une Angambie, c'est un croche-pied. Et rien que ça, ça suffirait pour expliquer la définition actuelle. Mais il y a pire. Pour les pêcheurs, une gamba était aussi un fil de pêche plombé avec plusieurs hameçons. À Marseille, on appelait ça une palangrotte, mais ce n'est pas le sujet, ni le problème. Le problème, c'est quand plusieurs gambes se mélangeaient. Ça faisait des gros nœuds, que les pêcheurs ont appelés des angambis. Et quiconque a déjà essayé de défaire des nœuds sait à quel point cela peut devenir désagréable, énervant, voire carrément insupportable. Pas étonnant donc que l'angambi soit devenu l'expression préférée des Marseillais pour définir une embrouille.